Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Toi qui as pris soin de nous, mon Dieu, mon roi. Toi qui nous as gardés, tu nous as protégés. Par ta main puissante, ô éternel et Dieu des armées. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons t'exalter, te célébrer. Alléluia. Nous voulons élever ton saint nom. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Je vais n'être qu'à toi, Seigneur. Oh, je t'aime, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur. Je vais n'être qu'à toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, commence à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Dis, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Ce n'est que par ta grâce que je suis en vie. Oui. Adorez-la, que Dieu te bénisse. Commence à prier. Va à Stéphanie, commence à prier. Dis merci à ton Dieu. Dis merci, ce n'est que par sa grâce. Alléluia. Dis merci. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, ce n'est que par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci Jésus. Oui, Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, Babou, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ce n'est que par sa grâce. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Oh, tu nous as protégés. Protégé, tu as protégé papa Chine. Alléluia. Je vais n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Tu es mon roi, tu es ma force, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci. Oui, Babou, que Dieu te bénisse. Prie. Dis Seigneur, tu es mon bouclier. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, adoration.
es. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Alléluia. Sur le chemin que ta vie a tracé. Alléluia. Tu as tracé un chemin pour tout un chacun de nous, Seigneur. Un chemin, chemin de la victoire, alléluia. Chemin du royaume, alléluia. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'honneur. Tu nous as protégés, voilà pourquoi nous applaudissons. Nous applaudissons, nous poussons les cris de joie. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Dans sa présence, poussez les cris de joie. Alléluia. Vous savez, à l'instant même que toi et moi nous sommes ici, il y a des personnes qui sont dans des comas, qui sont inconscients. Il y a des personnes qui sont dans les lits des hôpitaux, qui cherchent même un souffle. Ils n'arrivent pas à respirer. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Nous sommes en vie. Ce n'est que par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons donné l'argent à Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs que les autres. Mais je te dis, mon frère, ce n'est que par sa grâce. Nous devons reconnaître l'amour de Dieu. Reconnaître l'amour de Dieu ce matin. Commence à dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Tu as manifesté ton amour dans ma vie. Tu as manifesté ton amour ce matin. Tu as renouvelé les souffles de vie. Tu m'as compté parmi les vivants. Par ta grâce, alléluia. Seigneur, toi qui es miséricordieux. Toi qui es miséricordieux. Toi qui es miséricordieux. Alléluia. Oh, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Des Adonela, reçois l'adoration. Des Babou, reçois l'adoration des diables. Alléluia. Oui, nous voulons adorer ton saint nom. Seigneur, toi qui es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Commence à dire, Seigneur, je t'aime. Apprends à aimer Dieu. Parce qu'il t'a aimé les premiers. Alléluia. Il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé les premiers. Il t'a aimé. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Afin que tu sois sauvé. Il t'a racheté. Oui, il t'a délivré. Il t'a délivré de toute condamnation. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons reconnaître ton amour. Nous voulons reconnaître ton amour. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Dans ta présence, Jésus. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Ta présence, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vie, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta présence nous nourrit. Ta présence nous nourrit. Dans ta présence, nous sommes en sécurité. Dans ta présence, nous avons la force. Dans ta présence, Père éternel, nous avons la consolation. Toi qui nous essuies des larmes, alléluia. Toi qui nous protèges de tout contagion. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta protection divine. Nous te disons merci pour ta main puissante. Oh Jésus,
Jésus, merci. Merci pour la vie d'évangéliste d'Esther. Merci pour la vie des Judith Sinobo. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci pour la vie des pasteurs Vika. Merci pour la vie des Mireille Poisson. Merci pour la vie des Babou. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta protection divine. Alléluia. Tu nous as protégés de tout contagion. Tu as combattu pour nous. À la croix de Golgotha, tu as dit tout est accompli. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons l'honneur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Tu es Dieu. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Rien que pour t'élever, Seigneur. Nous voulons juste t'élever, t'exalter. Reçois l'adoration de Vata Stéphanie. Chante avec moi. Chante avec moi, maman Charlotte Mouani. Chante avec moi, Pasteur Abika. Chante avec moi, Babou. Chante avec moi, papa Chis. Dis, tu es digne. Tu es digne dans ma vie. Tu es digne. Reçois l'adoration. Alléluia. Oui, reçois l'adoration. Reçois l'adoration des Jean-Pierre. Reçois l'adoration au milieu de ton peuple. Sois élevé, sois exalté. Alléluia. Le roi des rois, applaudissons pour la gloire de Dieu. Dans sa présence, il est digne d'être élevé. Dans sa présence, il est digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amour, Seigneur. Tu as manifesté ton amour dans ma vie. Tu as manifesté ton amour. Reçois l'adoration. Roi de gloire, victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, confesse la victoire, confesse la victoire, confesse la victoire, confesse la victoire. Dis Seigneur, tu es ma victoire. Dis Seigneur, tu es ma victoire. Dis Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force. Tu es mon roi, Seigneur, tu es tout pour moi. Alléluia. Emmanuel, le Dieu parmi nous, Dieu parmi son peuple, Dieu au milieu de son peuple, il prend soin de son peuple. Oui, mon frère, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève Jésus. Élève Jésus. Il mérite d'être élevé ce matin. Alléluia. L'or et l'argent lui appartient. Alléluia. L'or et l'argent lui appartient. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est que de rendre gloire, si ce n'est que de rendre honneur, si ce n'est que l'élever. Alléluia. Confesse la victoire. Dis, je ne mourrai point. Je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Oui, je vivrai. Je vivrai. Je vous vivrai. Je témoignerai des œuvres dans ma vie. Nous proclamons la victoire de tout contagion. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons que nous sommes victorieux par le sang de Jésus. Le sang immolé qui a été immolé à la croix de Golgotha. Le sang immolé de la création du monde. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu nous couvres par ton sang. Tu nous protèges, Seigneur. En ce temps de contagion, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous témoignons ta victoire. Nous témoignons ta
la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma sœur, confesse la victoire. Confesse la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Alléluia. Proclame la victoire. Alléluia. Thank you, Jesus. Oui, sous tes ailes. Tu me couvres sous tes ailes. Dis Seigneur, tu me couvres sous tes ailes. Dis Seigneur, tu me couvres sous tes ailes. Alléluia. Bannis la crainte et bannis la peur, Seigneur, parce que tu me protèges. Même si les océans se déchaînent, confesse, je les traverserai avec toi. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, dis Seigneur, tu traverses avec moi les eaux, tu traverses avec moi les eaux, tu traverses avec moi ce contagion. Je proclame, je suis plus que vainqueur, parce que je me confie en toi, je me confie en toi. Entre tes mains, je suis intouchable. Déclare que tu es intouchable. Entre les mains du Seigneur, tu es intouchable. Oui, il est ta force, il est ta force. Même si les océans se déchaînent. Alléluia. Que les tempêtes soient dominées maintenant au nom de Jésus. Que les tempêtes soient dominées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les tempêtes soient apaisées maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Alléluia, tu es mon protecteur, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Par ta main puissante, Seigneur. Oh, la chèque, même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Proclame la victoire. Que la victoire de Dieu te localise maintenant au nom de Jésus. En Jésus seul, je me confie. Dis Seigneur, je me confie en toi. Je me couvre sous ta protection divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, couvre-moi, Seigneur, par ta main puissante. Ta force, le Seigneur est ta force. Même si les océans se déchaînent, maman, il m'a ton dos. Oh, nous traversons dans la victoire. Nous traversons dans la victoire, sa contre Tikalonda. Alléluia. Alléluia Seigneur, tu es ma force. Merci pour la paix Seigneur. Il a dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous chercher. Afin que là où je serai, vous y soyez. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Commence à dire, Seigneur, merci pour la paix. Merci pour l'assurance. Merci pour l'assurance de Jean 14. Alléluia. Merci pour l'assurance. Merci parce que tu m'as rassuré. Et tu me rassures. Matin, midi, soir, tu es à mes côtés. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai point. Il a dit, craignez ce qui tue l'âme, mais pas ce qui tue le corps. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras point. Même après la mort, nous serons ressuscités. Tu nous as promis la résurrection. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es notre force. Le Dieu des fleurs. Oh Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi Seigneur. Mon âme est en nous, mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Tu es grand, Dieu tout-puissant. Oui, commence à dire Seigneur, tu es grand. Oui, tu as vaincu, tu as vaincu, tu as vaincu la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as expérimenté la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Seigneur, sois élevé. La source avec son nom. Tu es Dieu. Alléluia. Dans sa présence. Alléluia. Mon cœur heureux à chaque instant. Alléluia. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alléluia. Poussez des cris de joie dans sa présence.
lancer des cris de joie dans sa présence. Manifester la joie, manifester la joie. Alléluia. Oui, il a dit dans sa parole, quand vous traversez des épreuves, oui, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Parce que tu étais avec nous pendant cette première partie. Nous voici arrivés à la deuxième partie où nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, éternel Dieu. Que cette parole nous aide à nous préparer pour ton retour, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que notre cœur soit préparé, que notre cœur soit une terre fertile, afin que cette parole, quand elle va tomber, qu'elle produise du fruit en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, parle au milieu de nous. Que je sois effacé, mais que toi, le Saint-Esprit, tu nous parles. Alléluia, alléluia. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui est des distractions, tout voyage des pensées. Je déclare que cela soit mis les sans effet au nom de Jésus. Manifeste-toi maintenant au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Poussez des cris de joie. Alléluia. Merci. Merci, peuple de Dieu. Merci, peuple de l'attente de la gloire. Merci pour votre fidélité. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous localise. Qu'il localise tout un chacun de vous. Et que vous soyez bénis, bénis, bénis. Et que vous soyez protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez protégés de tout contagion au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans l'attente de la gloire, personne mourra de ces contagions au nom de Jésus. Personne mourra au nom de Jésus. Personne mourra au milieu de nous au nom de Jésus. Nous témoignerons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je déclare que nous avons vaincu le corona au nom de Jésus. Je déclare que personne mourra au sein de notre assemblée au nom de Jésus. Parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes couverts sous sa protection divine. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Personne mourra. Je confirme que personne mourra. La Bible me dit, le Seigneur est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Cela va s'accomplir ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous continuons la parole que nous avons commencé le dimanche passé, la promesse de la rencontre avec l'époux. Alléluia. La promesse de la rencontre avec l'époux. Nous avions parlé de la promesse et j'avais parlé que c'est pour les 10 vierges. Les 10 vierges, elles avaient toutes reçu la même promesse. Elles avaient toutes reçu la même promesse. C'était quoi la promesse? La promesse, c'était l'attente de l'époux. Alléluia. C'était l'attente de l'époux. L'époux qui devait venir. Et les vierges devaient se préparer pour la rencontre de l'époux. Alléluia. Il fallait que les vierges se préparent. Alléluia. Et les 10 vierges avaient la même promesse. Elles avaient la même promesse. Elles avaient les mêmes instructions. Et elles devaient respecter aussi des conditions. Il y avait des conditions à respecter pour accéder à la salle des noces. Alléluia. Pour accéder à la salle des noces, il y avait une condition. Il y avait des conditions à respecter. Il fallait que tous puissent avoir une lampe. Et la lampe devait être allumée. Alléluia. Chaque vierge devait avoir sa lampe pour accéder à la salle. Et j'avais parlé qu'il y avait aussi un temps de préparation. Temps de les préparatifs au respect des conditions. Alléluia. Il fallait respecter les conditions. Il fallait aussi se respecter. Et nous avons vu que par là, il y avait d'autres qui se disaient que l'époux tardait.
L'époux tardé, comme l'époux tardé, ils commençaient à s'endormir. Alléluia. Elles ont commencé à s'endormir parce que l'époux tardait à arriver. Et j'avais expliqué que nous, l'Église pense que Jésus tarde à venir. Mais oh, Jésus ne tarde pas à venir. Hein. Il nous laisse le temps de se préparer. L'époux a laissé le temps à chaque vierge pour se préparer. Alléluia, alléluia. Amen. Et nous avons vu que pendant la préparation, pendant l'attente de l'époux, les 10 vierges commençaient à s'endormir. Il y avait le sommeil et la mort spirituelle. J'avais parlé de la mort spirituelle. J'avais expliqué. Aujourd'hui, il y a la mort spirituelle dans nos églises. Parce que l'église, c'est l'épouse. L'épouse, c'est toi et moi. Nous sommes l'épouse. Nous attendons l'arrivée de l'époux. Alléluia. Nous attendons l'arrivée de l'époux. Mais il y a l'épouse qui commence à penser. Il pense que l'époux tarde. Or, l'époux ne tarde pas. L'époux nous laisse le temps de se préparer. Le temps, notre temps n'est pas pareil que le temps de Dieu. Le Seigneur nous laisse le temps de se préparer, pour son arrivée. Voilà pourquoi l'épouse doit se préparer. Alléluia, alléluia. Oui, c'est ça que j'avais dit et j'avais parlé de la mort. La mort qui est rentrée dans les églises aujourd'hui. Et nous constatons la mort dans des églises. Il y a la perte de vie, de sanctification dans nos églises. La consécration disparaît dans les églises. Et il y a l'occultisme dans les églises et il y a plus d'amour. Dans des églises, aujourd'hui, il y a plus d'amour. L'amour disparaît. L'amour a disparu dans les églises. Alléluia. Or, l'épouse doit rester éveillée. L'épouse doit attendre l'arrivée de l'époux. Alléluia. Et l'épouse doit toujours conserver sa lampe avec l'huile est bien allumée. Mais l'épouse commence à s'endormir et il y a la mort spirituelle. Donc, j'ai comparé le sommeil et la mort spirituelle. Le sommeil et la mort spirituelle, c'est la même chose. Celui qui dort, celui qui est mort, c'est pareil, je disais. Alléluia, alléluia. Et nous continuons. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Je vais laisser la sœur Amanda va faire la lecture. Ou la sœur Colette, si ça va. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Vous pouvez me l'écrire ici pour que je sache que vous avez vraiment compris. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Je lis dans le nom de Jésus. Boko melanga pona eba que vraiment bon comprendre. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Oui, merci. Je lis dans le nom du Seigneur. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent. Ce jour-là, il en sera ainsi du royaume des cieux. Comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe. Comme les 10 jeunes filles qui prirent leur lampe. Et s'en allèrent à la rencontre du marié. Oui. Cinq d'entre elles étaient insensées. Les cinq autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe. Sans penser à remporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées. Prirent avec leurs lampes. Des flacons contenant de l'huile. Merci frère Guy. Comme le marié se faisait attendre. Elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. On dit qu'elles s'assoupirent toutes. Comme les mariés tardaient à arriver,
Elle s'assoupire toutes. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Il est bien mentionné que comme les mariées tardaient, elles s'assoupiraient toutes. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux aller à sa rencontre. À minuit, les cris retentit. Voici l'époux aller à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes se levèrent. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent. Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous. Et pour vous. Courez plutôt vous en acheter. Chez les marchands. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier. Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit. Vraiment, je vous l'assure. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi. Ajouta Jésus. Tenez-vous en veille. Car vous ne savez ni le jour. Ni l'heure de ma venue. Alléluia. Amen. Tenez-vous en veille. Éveillez. Comme on dit à Lingala, Tomi Lengela. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Amen. Oui, je continue notre message. Je vais parler du sommeil et la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que les 10 vierges, comme les poux tardés, les 10 vierges ont commencé à dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Les signes de sommeil et de la mort spirituelle de l'Église sont la perte d'une vie de sanctification aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la perte d'une vie de sanctification dans les églises. Alléluia. L'amour disparaît dans les églises. L'occultisme a pénétré au sein de l'église. Alléluia. Amen. Et il n'y a plus l'éveil aujourd'hui dans les églises. Il y a le sommeil dans les églises. Ça, ce sont les caractéristiques du sommeil et de la mort spirituelle dans les églises. J'insiste encore. La perte d'une vie de sanctification. Il n'y a plus de connaissances. Le peuple de Dieu ne s'inquiète plus à chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il y a la mort et le sommeil spirituel aujourd'hui au sein de l'église. Alléluia. Amen. Il y a l'occultisme qui prend place aujourd'hui dans nos églises. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour au sein de l'église. Ça, ce sont des signes. Ce sont des signes de la mort spirituelle. Ce sont des signes du sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que les 10 vierges, comme les poux tardés à venir, les 10 vierges commencèrent à dormir. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous voyons le sommeil spirituel dans nos églises. Nous voyons la mort spirituelle dans nos églises. Il n'y a plus d'amour dans nos églises.
nous voyons ce que, soi-disant les hommes, les femmes, les servantes de Dieu, soi-disant les chrétiens, des pratiques que les chrétiens font aujourd'hui. Nous écoutons ce qui se passe. Ah, il y a une femme. On l'a lavé. Il y a un pasteur qui est en train de laver une maman, de les baigner. Il y a des pasteurs qui violent des enfants. Aujourd'hui, on entend parler qu'il y a des femmes qui sortent entre elles. Les femmes, les lesbiennes, mais soi-disant des servantes de Dieu. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Cela montre que c'est le sommeil spirituel. Cela prouve aussi que c'est la mort spirituelle qui a pénétré au sein de l'église. Alléluia. Amen. La mort et le sommeil. Il y a l'occultisme. Vous savez, j'ai mon fils en Afrique. Mon fils spirituel, il m'a appelé avant-hier. Il dit, maman, je suis en train de traverser quelque chose vraiment très difficile et vraiment mon cœur est touché, vraiment je suis touchée de me confier à toi maman. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, maman, il y a un pasteur que je côtoie et le pasteur là, comme je traverse un moment difficile, je voulais que le pasteur puisse m'aider et le pasteur m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, moi je vais t'aider. Mais il n'a pas compris, le pasteur commence à lui envoyer les messages d'amour. Mais c'est deux hommes. Lui, c'est un homme. Le pasteur aussi, c'est un homme. Alléluia. Alléluia. Faites-moi signe si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est le pasteur maintenant qui commence à courir derrière les garçons. Regardez le sommeil et la mort. Le sommeil et la mort. Merci, sœur Diane. Le sommeil et la mort qui a pénétré aujourd'hui au sein de l'église. Aujourd'hui, tu peux manquer de quoi te nourrir, tu peux manquer de quoi te vêtir, mais personne au sein de l'église peut te les donner. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. L'amour a disparu au sein de l'église. C'est ça le sommeil. C'est ça le sommeil. L'église a oublié sa mission. Alléluia. L'église a oublié l'essentiel. L'église ne sait plus quel est le message. Alléluia. L'église ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. L'église ne sait plus qu'est-ce qu'il faut donner. Il n'y a plus la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est arrivé à l'église, mais il est resté longtemps à l'église. Mais la personne ne grandit pas. La personne ne grandit pas. La personne ne prend même pas 15 minutes pour prier. La personne ne lit pas la parole de Dieu. Il ne mérite pas la parole de Dieu. L'église est dans un sommeil. L'église est dans la mort spirituelle aujourd'hui à travers ce qui est en train de se passer dans les églises. Alléluia, alléluia. Elles se réveillèrent et préparèrent. Alléluia. Après, les 10 vierges se réveillèrent. Alléluia. Elles se réveillèrent et préparèrent. Et arrangèrent les 10 vierges, toi et moi, nous devons nous réveiller et nous devons nous préparer. Alléluia. Il y a les verbes, c'est réveiller. Alléluia. Et c'est réveiller et c'est lever. Alléluia. Elles se réveillèrent et se préparèrent et elles se lèveraient. Alléluia. L'église ne va pas demeurer dans le sommeil. Alléluia. Amen. L'église ne demeurera pas dans le sommeil. L'église finira par se réveiller, pousser des cris de joie. Amen. Pousser des cris de joie. Alléluia. Parce que l'église ne va pas demeurer
dans la mort spirituelle. L'église ne va pas demeurer dans le sommeil spirituel, mais l'église va se réveiller. Alléluia. Je vous dis, vous allez voir juste après cette période, vous allez voir comment est-ce que l'église va se réveiller et sera éveillée. Alléluia. Il y a les réveils. Et il y a les relèves aussi. Les réveils et les relèves. L'église va se réveiller et l'église va se relever. Alléluia. L'église va sortir de tout sommeil spirituel. L'église va sortir de la mort spirituelle. L'église va se relever. Alléluia. L'église va changer sa façon de servir Dieu. L'église va se lever pour aller évangéliser. L'église va aller pour aller gagner les âmes. Alléluia. La Bible me dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. 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 Il y aura la résurrection. La résurrection spirituelle. L'église va ressusciter. Alléluia. 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 Tout ce qui s'assouplissait, se réveillait. L'église va se réveiller. J'insiste. J'insiste que l'église va se réveiller. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le réveil spirituel te localise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te relèves maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu étais dans le sommeil spirituel, même si tu étais dans la mort spirituelle, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant que le réveil te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les relèves te localisent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu sois un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Tu sois un vase pour aller annoncer la bonne nouvelle. Que tu sois un vase pour aller annoncer la bonne nouvelle, gagner les âmes partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. Juste après ces vents-ci, juste après ces vents, il y aura un réveil. Il y aura un réveil, il y aura l'éveil et il y aura les relèves. Alléluia. L'église va se réveiller, se relever et ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'état de la mort spirituelle de l'église ne demeurera toujours pas. Alléluia. L'état de la mort spirituelle de l'église ne demeurera pas sans fin. Il y aura la fin. Il y aura la fin de la mort spirituelle. Il y aura la fin du sommeil spirituel. Bientôt. J'ai dit que c'est bientôt, c'est imminent. Alléluia. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est imminent. C'est imminent. L'église va sortir de cette situation, de cet état, l'état de la mort spirituelle. L'état du sommeil spirituel. L'église va sortir bientôt au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. C'est imminent, c'est proche. C'est proche. Alléluia. Alléluia. Car cette époque sombre de l'église sera immédiatement suivie d'une saison, d'une grande réveil et de grandes préparations spirituelles. Alléluia. Amen. L'épouse revient bientôt. L'épouse revient à la rencontre de l'époux. C'est imminent, c'est imminent. Alléluia. Et l'épouse doit se préparer. Alléluia. Il y aura un temps, alléluia, un temps d'alternance entre la mort et le réveil. Le temps d'alternance entre la mort et le réveil. Nous allons quitter de la mort et nous irons dans le réveil spirituel. Alléluia. Juste après cette période, il va se passer des choses. Juste après cette période, il va se passer des choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer son église. Voilà pourquoi
Nous sommes confinés. Nous sommes confinés, c'est dans la volonté de Dieu. Nous sommes confinés, c'est pour expérimenter la puissance de Dieu. Nous sommes confinés, c'est pour expérimenter la main puissante de Dieu. Nous sommes confinés, c'est pour écouter qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Nous Amen. Sommes confinés pour se préparer Amen. Au réveil spirituel. Alléluia. Juste après le confinement, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. L'église va sortir du sommeil spirituel. L'église va sortir de la mort. Alléluia. L'église va changer son état. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme Paul l'a dit dans le livre d'Éphésiens, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et Christ t'éclairera. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Paul l'a dit dans le livre d'Éphésiens. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. C'est Christ qui va t'éclairer. Ce n'est pas un pasteur qui va t'éclairer. Ce n'est pas un prophète qui va t'éclairer. Ce n'est pas une prophétesse qui va t'éclairer. Mais c'est Christ qui va t'éclairer. Christ t'éclairera. Voilà pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts. Christ t'éclairera. Ça ne sera pas le travail d'un homme. C'est pas un travail d'un homme. C'est pas un travail d'un marabout. C'est pas un travail de qui que ce soit. Mais c'est le travail de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est Christ qui va éclairer son église. C'est Christ qui va éclairer l'épouse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y aura deux choses. Il y aura deux choses que l'église va vivre. Le réveil du sommeil et du relève parmi les morts. Alléluia. Amen. L'église va vivre deux choses, je répète. Je ne sais pas si quelqu'un saisit bien ce que je suis en train de dire. Il y aura deux choses que l'église va vivre. C'est imminent, bientôt. C'est ce que l'église va vivre. L'église va vivre le réveil du sommeil spirituel et du relèvement parmi les morts. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici à la maison, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ceux qui me suivent, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. 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 Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les relèves te localisent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les réveils te localisent au nom de Jésus. Les réveils et les relèves te localisent maintenant au nom de Jésus-Christ, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Point A, je vais parler le son ou le cri du sommeil. Le son ou les cris du réveil, les sons et les cris du réveil. Les sons des cloches du réveil. Dieu a répandu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Amen. Dieu a répandu l'odeur de sa connaissance dans le monde entier, c'est-à-dire éveil de conscience chrétienne. Il y aura l'éveil de conscience chrétienne. Les chrétiens seront éveillés. Leur conscience va se réveiller maintenant. Sera éveillée. La conscience de tout chrétien sera éveillée. Alléluia. 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 La conscience de tout chrétien sera éveillée. L'éveil de la conscience chrétienne qui pousse chaque chrétien à une préparation avant la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Oui, cet éveil de la conscience, cet éveil de la conscience va pousser chaque chrétien à se préparer pour la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas quelque chose
que les hommes de Dieu seront là pour te pousser chaque fois, pour te motiver. Non, ça va se faire automatiquement à travers l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie, poussez les cris de joie pour la victoire, de l'éveil de la conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Avant que l'époux revienne, il y aura l'éveil de la conscience chrétienne. Alléluia. Qui pousse chaque chrétien à une préparation avant la rencontre de l'époux. Alléluia. Avant la rencontre attendue. Alléluia. De l'époux, il y aura l'éveil. Alléluia. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'éveil te localise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et ayez l'envie de lire la parole automatiquement au nom de Jésus. Et l'envie de méditer la parole automatiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez éveillés et relevés spirituellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Oui, poussez les cris de joie pour la victoire. Poussez les cris de joie pour les promesses, alléluia. Merci Seigneur, amen, merci. Recevez l'éveil maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Point B, les réveils du sommeil et les relèvements d'entre les morts. Vous pouvez l'écrire, hein? Vous pouvez l'écrire. Les réveils du sommeil et les relèvements d'entre les morts. Alléluia. Ce travail va bientôt commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce travail va bientôt commencer au nom de Jésus. L'éveil du sommeil et le relèvement d'entre les morts. Ce travail va bientôt commencer au nom de Jésus. Ce travail va commencer par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce travail va bientôt commencer dans toute l'étendue de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le réveil localise tout chrétien dans le monde entier, là où il se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Et les derniers grains des chrétiens de la moisson va s'élever, sera gagné à travers l'évangélisation. Les chrétiens vont s'élever, les chrétiens vont évangéliser parce qu'ils vont sortir du sommeil au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, alléluia. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie pour l'éveil. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ça sera accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Ça sera accompagné par la puissance du Saint-Esprit avec des grands signes et des prodiges qui accompagneront les chrétiens au nom de Jésus. Recevez la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Juste après le confinement, sortez, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Allez parler de Jésus, allez évangéliser, sortez de tout sommeil au nom de Jésus-Christ. Soyez réveillés, relevés et éveillé, ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est en train de souffler un vent nouveau. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher ses élus avec une nouvelle force spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de toucher ses élus au nom de Jésus avec une nouvelle force spirituelle pour aller évangéliser, pour aller annoncer. Et cette force spirituelle est accompagnée par des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les élus de Dieu, alléluia, ceux qui s'endormissaient,
seront réveillés avec une nouvelle force spirituelle au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Alléluia. Recevez la force spirituelle maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Recevez la force spirituelle maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez proclamer la victoire. Allez proclamer que Jésus est ressuscité. Allez proclamer que Jésus revient bientôt. Allez évangéliser. Alléluia. Accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Il y aura une puissance extraordinaire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et tous les chrétiens vont s'élever comme une grande armée. Les chrétiens vont s'élever comme une grande armée dans le monde entier. Comme une grande armée. Alléluia. Comme un seul homme ayant un même objectif pour un dernier défi. Alléluia. Pour le défi. Alléluia. L'église glorieuse qui se prépare à la rencontre de l'époux. Pousser les cris de joie. Alléluia. C'est ça le défi. Le défi. Alléluia. Le défi. L'église se réveille maintenant au nom de Jésus. L'église se réveille remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Oui, commence à prier maintenant. Commence à prier. Dis Seigneur, merci. Je reçois cette puissance. Seigneur, merci. Je reçois cette puissance. La puissance qui est accompagnée. Au racheté Rabasanta des prodiges, des signes, alléluia, pour parler du retour de Jésus, pour parler du retour de l'époux, alléluia, alléluia, recevez la puissance au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Oui, la Bible me dit, Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Oui, ça c'est le temps du Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Et allez gagner le monde entier. Allez parler de la part du Seigneur. Allez préparer les chrétiens partout. Allez préparer le monde. Dites-leur que Jésus revient bientôt. Dites-leur que Jésus revient bientôt. Et vous serez accompagnés de la puissance. Vous serez accompagnés de la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance maintenant au nom de Jésus. Recevez la puissance maintenant. Recevez la puissance de Jésus. Jésus, oh non, recevez la puissance de Jésus, recevez la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, allez parler, allez parler, allez gagner le monde, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, alléluia, nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous fais grâce Seigneur, d'écouter cette parole, afin que nous puissions nous préparer. Nous puissions nous préparer à ta rencontre, mon Dieu, mon roi. Nous puissions nous préparer à la rencontre de l'époux. Merci, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi comme élu de Dieu. Tu m'as choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as choisi pour aller gagner le monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes fortifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés, recevez la puissance, recevez l'onction, recevez la puissance, accompagnée par des prodiges. Allez prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia, commence à prier. Dis Seigneur, merci pour les réveils. Seigneur, merci pour les réveils et les relèves au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les réveils, merci pour les relèves. Seigneur, nous te disons merci, merci infiniment. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que les réveils localise tout un chacun là où il se trouve au nom de Jésus. Que les relèves localisent tout un chacun là où il se trouve au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, vous êtes protégés de tout contagion au nom de Jésus Christ de Nazareth. Vous êtes protégés de tout contagion au nom de Jésus. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la puissance du Saint-Esprit vous localise et vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Soyez bénis.
bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous protège. Que mon Dieu vous protège. Que le sang de l'agneau vous couvre. Que le sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour toi te couvre. Pour moi, me couvre, vous couvre. Alléluia. La Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et que tu sois arraché de tout danger, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois invisible devant toute attaque démoniaque, maléfique, au nom de Jésus. Que tu sois invisible devant tout contagion au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Psaume 91, verset 7. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Oui, Père Guy Florent, que Dieu te bénisse. Yaya Francine Mbombo, que Dieu te bénisse, qui te couvre sous sa protection au nom de Jésus. Que tu sois intouchable. Que tu sois intouchable au nom de Jésus. Que tu sois invisible devant toute attaque démoniaque au nom de Jésus. Stéphanie, que Dieu te couvre. Que Dieu te couvre. Diane, que Dieu te couvre. Papa Chine, que Dieu te couvre. Que Dieu couvre tout un chacun. Papa JP, que Dieu te bénisse. Maman dit que Dieu te bénisse, qui te couvre. Maman Rose, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Soyez bénis pour ces cris de joie. Je vous aime, je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Amanda. N'oubliez pas de la souhaiter. Joyeux anniversaire. Poussez les cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir. À bientôt, à lundi.